L'introduction du numérique transforme le rapport au savoir. Le savoir devient plus autonome, l'information est immédiatement disponible, l'interconnexion entre apprenants est accrue. Internet est aussi un puissant vivier de ressources support pour pouvoir enseigner. Et pour toutes ces raisons, certains considèrent que le digital est un domaine clé de l'évolution du métier d'enseignant. Notre recherche a donc cherché à comprendre quel était l'impact du digital sur le métier d'enseignant dans l'enseignement supérieur. Aussi bien en termes d'activité au quotidien qu'en termes de posture. L'intérêt de ce questionnement est de pouvoir repenser les processus de gestion et de formation de nos enseignants en France. Alors pour répondre à cette problématique, nous avons interviewé des enseignants chercheurs sur la manière dont ils qualifiaient l'évolution de leur métier du fait de l'introduction du digital dans l'espace formatif. Et nos principaux résultats sont de trois ordres. Tout d'abord, l'activité dans la salle de cours se transforme. Cela représente plusieurs avantages, le cours est plus ludique, il se trouve enrichi du fait de la variété des ressources utilisées et les rythmes des apprenants sont mieux respectés. Mais il y a aussi des inconvénients, le premier est d'être tributaire des conditions techniques de réalisation du cours, en deux, la manipulation des outils digitaux peut également représenter une difficulté personnelle, et le troisième inconvénient pour le prof est de devenir un formateur technique. Enfin, il y a un risque de dispersion des étudiants en salle de cours du fait de l'accès à Internet. Le deuxième niveau de résultat concerne plus la transformation de l'activité en dehors de la salle de cours. Et en synthèse, il faut un temps de réflexion en amont pour repenser le séquençage et le contenu du cours. Et en aval, le temps de correction est lui plus rapide car il peut être automatisé. Le troisième niveau de résultat, probablement le plus important, concerne la posture même de l'enseignant. Ce changement qui confirme ce que la littérature commence à décrire intervient à deux niveaux. Au niveau de la relation à l'étudiant, c'est une relation plus dynamique qui s'installe, tant en salle de classe que sur les espaces d'échange, comme les chats, les forums. Et au niveau du rôle attendu, l'enseignant devient un tuteur, ce smart enseignant, ce smarty pour faire plus court, passe donc du savant qui délivre du savoir à un accompagnateur vers la connaissance. On attend donc de lui d'écouter les étudiants, de les engager vers la voie de la réflexion et de la réflexivité, de les guider vers les bonnes ressources et de fédérer les opinions exprimées, mais aussi de donner du sens aux propos des étudiants et de favoriser le partage de connaissances entre eux. Alors, quels sont les impacts opérationnels de ces résultats tout d'abord, l'évolution du rôle de l'enseignant vers la posture de tuteur crée une forme de tension identitaire et nécessite une évolution du regard social sur ce métier. Et les nouvelles activités et compétences réclament de penser aussi la formation de ces enseignants en intégrant la question du digital. C'est d'ailleurs l'une des recommandations de la Commission européenne dans un rapport de 2015. Alors, s'il fallait construire cette formation, elle répondrait à trois objectifs. Un, construire un scénario pédagogique multimodal et multitemporel. Deux, s'aguerrir à l'outillage technique. Et trois, utiliser et concevoir des ressources pédagogiques comme des blogs, des sites web ou des mocs par exemple. En conclusion, le métier de l'enseignant change, il évolue du fait du numérique. Nous avons donc aujourd'hui un rôle de guidance vers de la connaissance. Plus largement, l'espace-temps pour apprendre du fait du digital dans nos vies est désormais sans frontières, ni spatiales, ni temporelles. Nous devons intégrer ce phénomène dans notre pratique et il faut savoir penser hors des murs.